démocratique et so-
social. S'il vous plaît, Amsou Garba qui n'est plus à présenter. On la raccompagne avec les applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est une voix sûre du Niger. Et dans cette chanson, vous l'avez constaté, elle prône la paix. Rien que la paix pour un Niger prospère. Mesdames et messieurs, honorables invités, monsieur le ministre de la Renaissance culturelle, avec votre permission, je m'en irai
d'abord demander à tous ces invités d'applaudir pour les équipes de l'ORTN qui sont sur ce site et qui sont à la direction. Merci pour ce boulot formidable. Nous allons retrouver une autre artiste qui est nigérienne, qui vit du côté de Nigeria et qui fait la fierté de la musique nigérienne. Elle, c'est Fatie Niger, sous vos ovations. Fatie Niger.
Monsieur, je vous demande d'ovationner Fatih Niger, une jeune dame qui fait parler d'elle au-delà des frontières. Sans plus tarder, nous allons passer aux séries de décorations. Monsieur le ministre. Madame Hadiza Amadou Meiga. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Renaissance culturelle. Alors, les récipiendaires catégorie Palme Académique Dame, Hadiza Amadou Meiga, Zabaya Kandé, Habsou Garba, Madame Hadari Maimouna Nadelou, Hagay Ali, Samira Ben Ousmane, Nana Malang Garba, Rabi Mamadou Arzika, Rabi Saigige, Professeur Antoinette Tidjani Alou. Alors ça, c'est la catégorie Palme Académique Dame. Est-ce que vous pouvez, celle que j'ai appelée, est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour en pleurer à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Quand j'ai rue mes amis, moi je viens de loin, le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Professeur Antoinette Tidjani Alou. Voilà. Professeur Antoinette Tidjani Alou, professeur de littérature française, écrivaine, responsable de la filière arts et culture de l'université Abdou Moumouni, promotrice du laboratoire pour l'étude, la recherche, la pratique et la valorisation des arts et de la culture à l'université de Niamey. Votre production littéraire et scientifique a enrichi le potentiel et le patrimoine nigérien. Cet intérêt pour l'art et la culture vous a conduite à l'élaboration du programme, la direction et l'animation de la filière art et culture à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre des Palmes Académiques du Niger. Sur le flanc. Oui. Non. Merci. Félicitations. La prochaine. Vous pouvez vous mettre de l'autre côté. Madame Hadiza Amadou Meiga, styliste, modéliste, promotrice de l'agence Hardline Création et du Forum National de l'Autonomisation de la Femme, FONAF, leader de la création vestimentaire, porte-flambeau du Niger dans les compétitions régionales et internationales dans le domaine de la mode. Vous avez porté votre contribution à la valorisation des événements de haut niveau organisés par l'État et en vous engageant dans la promotion du patrimoine culturel nigérien et la promotion de la citoyenneté. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques du Niger.
Merci. Madame Zabaya Kandé, artiste, cantatrice incontestée et plusieurs fois primée au Festival de la chanson féminine d'Alawaïzé. Votre répertoire a véritablement marqué la jeunesse manga par des chansons porteuses des messages d'unité nationale, de bravoure, d'amour et le sentiment d'appartenir à une même communauté. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Félicitations. Madame Maïga Habsou Garba, auteure compositrice, responsable de la compagnie Anachua, promotrice d'une radio privée, d'actrice de troupe de quartier, en passant par la fonction d'animatrice culturelle bénévole et responsable de la compagnie Anachua. Votre répertoire riche rappelle le bon vieux temps des festivals de la jeunesse et projette vos paroles vers l'avenir. Vos chansons dans les thèmes tournent autour de la citoyenneté, de l'unité nationale, l'affirmation de l'identité nationale et la promotion des valeurs sociales qui forgent la personnalité du Nigérien. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Merci. 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 Madame Hadari Maimouna Nadelou, auteure, artiste comédienne, compositrice, responsable de la compagnie Shawa, artiste polyvalente, vous avez été actrice et comédienne dans les troupes de CEG1 de Maradi, de l'INJSC, la troupe Yajidogo et l'ensemble artistique national du Niger dans lesquels vous avez merveilleusement joué des rôles majeurs pour égayer le public. Aujourd'hui, responsable de la compagnie Shawa, vous avez rendu hommage à des célébrités nationales, internationales et aux femmes leaders qui ont marqué la vie et l'histoire politique nationale. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Félicitations. Madame Hagay Ali, cantatrice. Vos œuvres sont fondamentalement enracinées dans les valeurs traditionnelles nigériennes et qui utilisent la diversité culturelle de la vallée du fleuve comme facteur d'équilibre et d'unité dans une vision globale du développement et de l'affirmation de la personnalité de l'homme nigérien par le traitement des thèmes d'actualité de l'époque. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Alja, Barka, Fonda Kaya, Allah Gouri, Fonda Kokari, Amin Ya Rabbil Alamin. Merci. Madame Samira Ben Ousmane, styliste promotrice de SAMEF. Dans votre domaine, la reconnaissance des jeunes créateurs dans ce créneau a été favorisée par les progrès médiatiques et à l'apparition de nouveaux modèles identitaires internationaux, cinéma, musique, et ouvre la voie à une démocratisation du look et à un plus large choix individuel de la parure. Ceci a contribué en partie à votre ascension au niveau national et international par vos créations et surtout par votre initiative de créer le SAMEF. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Oui.
Félicitations. Madame Nana Malangarba, cantatrice du groupe Soga, de la troupe Oyiwan de Toudou d'Agadez au groupe Soga de Niamey, votre talent est unanimement reconnu par les spectateurs et le monde nigérien. Avec le groupe Soga, vous avez honorablement représenté le Niger au 5e jeu de la francophonie en 2005 et même nettement au-delà. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger. Voilà. Merci. Madame Rabi Soughidje, cantatrice, de la création de la troupe Al-Bichir en 1995 à aujourd'hui, vous avez contribué à la production de plusieurs œuvres artistiques de grande facture et contribué à la mobilisation populaire autour des politiques sociales mises en œuvre au Niger. Votre talent de cantatrice est unanimement reconnu par les spectateurs et mélomanes nigériens. Avec le groupe Al-Bichir, vous avez honorablement rendu hommage à des hommes et femmes qui ont marqué l'histoire politique du Niger. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger. Est-ce que Madame Rabi Arzika est là? Rabi Arzika Mohamed. Monsieur le ministre, vous pouvez avancer pour la photo de famille. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la deuxième vague de décoration, cette catégorie Palme Académique Homme. Nous appelons ici M. Boubacar Lobby, Abarchi Asman, Idi Maïfada, Omar Al-Mokhtar Guero, Omar Salifou, Souley Abdoulaye, Abdoulaye Meguizo, Mamoudou Abdoussalam, Alio Oumaou, Agali Bazo, Narwa Badashi, Agali Ali, Moussa Hamani, Serge Mathurin, Mohamed Tobi Zapi, Mohamed Bodo. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Monsieur Boubacar Lobby, certainement que si je ne dis pas à table,
beaucoup de gens ne vous reconnaîtront pas. Artiste, comédien, humoriste, pionnier du théâtre nigérien, acteur majeur de l'éducation citoyenne depuis près d'un demi-siècle, vous incarnez la sagesse synonyme de connaissance des principes de la vie, de mesure, du savoir, d'expérience, de génie et de créativité. Les rôles que vous avez joués dans les différentes pièces théâtrales étaient indissociables de la vie de l'homme, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie intégrante de votre vie quotidienne. Somme toute, les pièces théâtrales et les comédies dans lesquelles vous avez joué sont essentiellement axées sur la formation civique et morale de la jeunesse nigérienne. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Barka. Barka. Amen. Monsieur Abarché Asman, metteur en scène, à côté de votre carrière d'enseignant, vous vous êtes investi dans la recherche des thèmes porteurs pour des mises en scène théâtrales de qualité dans l'optique de contribuer à l'éducation et à la sensibilisation citoyenne. La qualité de votre répertoire et votre capital de production artistique et culturelle ont contribué à la mise en place d'une programmation d'animation culturelle fournie dans les établissements scolaires et les centres culturels et maisons de la culture de la région de Tawa et du Niger dans son ensemble. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Monsieur Idi Mefada, artiste comédien pionnier du théâtre nigérien, véritable bibliothèque vivante, vous incarnez la sagesse synonyme de connaissance des principes de la vie et de mesure, d'expérience et de génie et de créativité. Les rôles que vous avez joués dans les différentes pièces théâtrales de la troupe Yaji Dogo étaient aussi indissociables de la vie de l'homme, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie intégrante de votre vie quotidienne. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Monsieur Omar Al-Mokhtar Guero, président directeur général de Guero's Group, un holding composé de 4 sociétés commerciales employant plus de 200 jeunes Nigériens. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre du Mérite du Niger. C'est pas grave, on va corriger. C'est pas la décoration. Ça, c'est monsieur. Décoration. Voilà, on peut venir. Chevalier. La décoration. Monsieur Omar Salifou, promoteur de spectacles et d'entreprises culturelles, président régional de l'ANACIM Niamey, dans l'intérêt de répondre aux attentes des populations sur le plan culturel et artistique, vous êtes engagé dans la mise en place de votre entreprise culturelle pour créer un cadre de promotion, de diffusion et d'échange des arts et de la culture. Votre entreprise a permis de rapprocher l'artiste de son milieu social et naturel à travers l'organisation des activités artistiques et culturelles, instaurer un dialogue culturel entre l'artiste et son public et élever le niveau de créativité.
Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre des palmes académiques du Niger. Monsieur Soule Abdoulaye. Mais où est l'appareil photo? Artiste photographe, promoteur d'exposition photo, prix du FINIAP en 2003, Goni d'or en 2005, promoteur d'une agence de presse en photojournalisme et multimédia, enseignant de photographie dans les écoles de formation artistique et culturelle EFAC, chasseur d'images hors pair. La qualité de vos portraits ont toujours émerveillé le public à l'occasion des rencontres photographiques au plan national et international. Membre de plusieurs équipes de reportage, avec votre appareil photo, vous avez fait connaître le Niger à travers le monde. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger. Monsieur Abdoulaye Meguizo, dit jeune Sofa Kolé. Une guitare. Artiste musicien, auteur compositeur, promoteur de l'orchestre Sofa Kolé de Dosso, premier prix de la catégorie orchestre de la deuxième édition du prix d'Angourmou. L'expérience fait la différence, à tant coutume de dire. Vos compositions ont forgé un genre musical particulier dont vous êtes le seul dépositaire. À travers vos touches particulières, vous avez remporté plusieurs prix à l'occasion des rencontres musicales nationales et exporté à l'international la musique moderne nigérienne. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger. Barka. Félicitations. Monsieur Mamoudou Abdeslam, artiste musicien polyvalent, à l'aise aussi bien avec les instruments de musique traditionnelle que moderne, auteur-compositeur, premier prix de la catégorie groupe musical de la deuxième édition du prix d'Angourmou, prix de l'artiste le plus populaire des pays de l'Afrique francophone parlant Hausa par Voice Africa. Très tôt, vous embrassez la musique avec des productions de facture professionnelle, dont la diversité des thématiques traitées vous consacre le titre de Chatan Niger, avec des morceaux emblématiques, Maïdaka, Kobto et surtout Bayumata. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger. Monsieur Ali Oumarou, dit Ali Atibili, artiste, musicien, auteur, compositeur, promoteur de l'orchestre Haske Star de Zender et acteur majeur de l'éducation citoyenne depuis une dizaine d'années. Lauréat de la thématique décentralisée Prix d'Angourmou en 2007 à Tawa. Vos paroles et votre musique incitent la jeunesse à une prise de conscience de son apport à l'édification de la nation. À travers vos compositions, vous contribuez à la valorisation du patrimoine culturel. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger. Barka. Le représentant de Agali Bazo. Monsieur Agali Bazo, conservateur volontaire du musée naturel d'Ingal. Partant de votre expérience de conservateur et des échos positifs qui nous parviennent, vous menez des actions de préservation, de protection, de conservation et de valorisation des sites paléontologiques et du musée d'histoire naturelle d'Ingal. Ces opérations exigent beaucoup de tact dans les relations humaines. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques du Niger. On lui remet. Quelqu'un, Michel.
le représentant de Narwa Badoché. Monsieur Narwa Badoché, auteur-compositeur, responsable de la troupe Al-Bichir de Tiro, de la création de la troupe Al-Bichir en 1995 à aujourd'hui, vous avez produit plusieurs œuvres artistiques de grande facture et contribué à la mobilisation populaire autour des politiques sociales mises en œuvre au Niger. Intellectuel et homme de culture chevronné, auteur-compositeur hors pair, votre style, votre carrure et votre liberté dans vos créations reflètent la personnalité et le goût de vos chansons, et ce, indépendamment de leur qualité artistique ou esthétique. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Monsieur Moussa Hamani, journaliste culturel, président du réseau des journalistes culturels du Niger, votre professionnalisme est reconnu dans le milieu culturel. Cette spécialisation, vous la devez à la production d'articles, de documentaires et à la couverture d'événements relevant de la culture depuis une vingtaine d'années. Au nom du président de la République et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Félicitations. Le représentant ou la représentante de Agali Ali. Monsieur Agali Ali, artiste guitariste de la création de la troupe Al-Bichir en 1995 à aujourd'hui, vous avez contribué à la production de plusieurs œuvres artistiques de grande facture et contribué à la mobilisation populaire autour des politiques sociales mises en œuvre au Niger. La maîtrise de votre instrument, doublée d'ingéniosité et d'inventivité, vous donne la facilité d'internaliser de nouvelles sonorités. Votre bon sens relationnel vous permet une bonne occupation de la scène. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Akamichi. Monsieur Serge Mathurin, journaliste culturel. Votre professionnalisme est reconnu dans le milieu culturel et vous devez vos prestations à la production d'articles, d'émissions, de documentaires et à la couverture d'événements relevant de la culture depuis une vingtaine d'années. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Félicitations. Monsieur Tabi Mohamed, dit Zapi, journaliste culturel. Votre professionnalisme est reconnu dans le milieu culturel. Cette spécialisation, vous la devez à la production d'articles, d'émissions, de documentaires et à la couverture d'événements relevant de la culture depuis une vingtaine d'années. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Monsieur Mohamedou Bodo, dit Medawa, acteur, vous avez très bien joué le rôle de Medawa dans le ballet de Medawa de la région de Dosso, département de Dogondouti, à l'occasion du Festival National de la Jeunesse. Grâce à votre présence scénique et à votre jeu d'acteur, votre ballet a remporté le premier prix de cette édition et reste encore fraîchement dans la mémoire des Nigériens. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre des Palmes Académiques du Niger. Baka Janjana. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La photo de famille, s'il vous plaît. Est-ce que monsieur Moussa Kamfideni est là? Oui.
La dernière catégorie, ordre du mérite sportif. Monsieur Moussa Kamfideni Di Diagoundi. Monsieur Moussa Kamfideni Di Diagoundi, ancien capitaine de l'équipe nationale de MENA des années 80. Vous avez été l'icône du sport nigérien, notamment le football. Votre leadership et votre sens de responsabilité vous ont permis d'être un bon organisateur et un meneur d'hommes sur le terrain, ce qui a valu à notre équipe nationale de football MENA d'enregistrer des résultats à la satisfaction des Nigériens. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'argent de l'ordre du mérite sportif du Niger. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous vous demandons d'ovationner toutes ces personnes qui font parler d'eux au-delà des frontières. Merci beaucoup de faire progresser la culture nigérienne. Sans plus tarder, nous allons accueillir Zabaya Fousey de Tawa. Je suis
Je voudrais qu'on applaudisse très très fort, s'il vous plaît. C'est tout le patrimoine culturel du Niger qui s'exprime ce soir. Nous remercions tous ceux qui nous suivent simultanément dans tout le Niger profond. Je voudrais qu'on la réapplaudisse, s'il vous plaît. C'est un monument vivant de la culture nigérienne. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, je vous le rappelle, elle a 92 ans. Et je voudrais que ça s'applaudisse, s'il vous plaît. C'est un monument vivant de la culture. Je voudrais qu'on l'applaudisse non-stop, s'il vous plaît. On se lève pour l'accueillir. C'est un moment exceptionnel, un moment inédit. Merci, monsieur le ministre de la Renaissance culturelle. 92 ans. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 92 ans, monument vivant de la culture nigérienne. Et nous sommes en direct sur Télécel. C'est un moment émouvant, mesdames et messieurs. C'est une grande voix, c'est une grande âme. C'est toute la richesse culturelle du Niger. Merci infiniment à toutes les autorités. Merci, on la réapplaudit, s'il vous plaît. Merci monsieur le ministre de la Renaissance culturelle, merci au ministre du Tourisme, merci au président de la délégation spéciale de Niamey. Honorables invités, nous allons continuer cette soirée avec une autre diva de la musique nigérienne. Elle a su s'imposer, c'est une voix sûre, elle n'est plus à présenter. Mesdames et messieurs, honorables invités, recevez ici et maintenant Fatih Mariko sous vos applaudissements. Bonsoir et bonne fête à toutes les femmes présentes ici et ceux qui sont dans les maisons qui n'ont pas pu faire le déplacement. Bonsoir à tous. Iri
Merci. Je voudrais qu'on la réapplaudisse, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est une voix sûre de la musique nigérienne. Nous allons continuer toujours pour faire honneur aux dames, rien qu'aux dames. Elles sont trois. Elles font la promotion du patrimoine culturel du Niger. Ces trois dames font aussi la fierté de la musique nigérienne. Monsieur le ministre de la Renaissance culturelle, monsieur le ministre du Tourisme, monsieur le président de la délégation spéciale de Niamey, mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais qu'on ovationne très très fort pour le groupe Soga. Je voudrais rappeler à tous les récipiendaires qu'ils peuvent se rendre demain au secrétariat général du ministère de la Culture pour récupérer leurs diplômes et le coffret des différentes médailles. Nous vous remercions infiniment. Soga, mesdames et messieurs. Nous remercions tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner ce grand événement. Merci à tous ceux qui soutiennent la culture nigérienne et nous rendons un hommage grandissime à toutes les femmes du Niger. Je voudrais qu'on les réapplaudisse, s'il vous plaît. Elles sont actuellement sur scène. Le groupe Soga. Militaire, soldat de Fana, défenseur de la nation, force
se la kala kanai da ba no madumi wakagani soni ali hamai askia hamai alfa shaibu hamai wakagani kuranda ba hamai tani muno hamai isa korambe hamai ingai ne ya kausena hamai sarudi hamai idiri salau ba hamai Soga en premier lieu, Aïchatou Ali, ensuite aujourd'hui Nana. Merci au président de la République, merci au ministre de la Renaissance culturelle, merci à tout le Niger. Mata kodaga hannu, kodaga hiyade harkanan. Les femmes, nous sommes les femmes, c'est notre journée demain. Amma wara min surgete ramma wara musfutu. Merci. Journée internationale de la femme, chanson dédiée à toutes les femmes du monde entier. Mata, j'ai la soudade.
Igonda chuta, igonda zamba, isinda bakarau woy. Merci beaucoup au groupe Soga. Merci beaucoup le groupe Soga. Igonda bakarau, igonda amana, woy borei. Merci beaucoup le groupe Soga. Merci à ce groupe qui fait parler du Niger au-delà des frontières. Sans plus tarder, nous allons accueillir la collection Niala de Hadiline Création. Mesdames et messieurs, sous vos ovations. Hey, je ne suis pas d'accord. Tati, m'attends-tu comme Hugo? Oui. Nous mune wandan namiji labile mai sirrin daki.
mata ku bar zuga kanunku mu maza ai mu na dole mu za mu bar ku kuje aiki mu za mu bar ku kuje yaki tuwa. Merci beaucoup Ali Achibili, merci beaucoup. La collection Niala. Nous allons accueillir la collection Niala présentée par Hadiline Création. La collection n'a pas de problème.
la collection de la loi de la création. Passionnez les très très forts, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons suivre trois projections de films de Ami Mamani et Colère du Vent. Si la régie. Je me suis demandé quel est le rôle de l'écrivain africain. C'est de restituer l'histoire comme nous aimerions qu'elle fût écrite, pas vue par les colons. Quand un écrivain est engagé auprès des pompes, quand au jour le jour, il écrit les peines du peuple, un exemple quelconque, même au Niger, culture de contre-saison, comment le peuple est déterminé à se sortir de la famine avec une énergie redoublée. Il faut laisser trace dans l'histoire. Il ne faut pas que ce soit une action éphémère. Il faut que ce soit une action profonde qui marque le caractère d'un peuple. Aujourd'hui, cela fait 26 ans que tu es parti. L'écrivain engagé, l'homme politique, le militant, je connais si peu de toi. Je suis face à des pièces éparses d'un puzzle, d'une histoire à reconstituer. C'est ici, dans cette maison que j'ai passé mon enfance. Heureuse, entourée d'une mère et d'un père. Jusqu'en 1993, une nuit de juin. Je me souviens encore de cette nuit où tu es parti en voyage. J'avais 10 ans. À côté de ta chaise qui restait vide, j'ai longtemps attendu ton retour et la poupée que tu m'avais promise. Taratara, le quartier des lépreux de Zender, au Niger. C'est là qu'ils sont nés, les palais. Ces gangs de jeunes qui sèment la violence dans ma ville natale. Éternel laissé pour compte du système, des centaines de gangs prospèrent et font leurs lois. J'ai décidé de franchir la frontière qui nous sépare, eux et moi. Sinia, Ramsès et Bao me font pénétrer dans l'univers des palais, au cœur des divers trafics. Aisha, akwai su barayi akwai su abakan mu ne kannin mu yayin mu dai duka mu yanzu mun fada ya kama sai an to za mu iya shiga ungulin mutane har cikin ungosu mu cikuwa su mu dawo amma nan ban na tsammanin akwai wanda ɗan iskan da za su iya shigo a karaka wasu sai mini masu sistem ne da mishi Dosiga eh arkan na 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 na